Mesdames et messieurs, bienvenue à la prestigieuse cérémonie des WAM Awards, les WAMA, pour tous ceux qui ont été oubliés. Si vous avez été oubliés lors des récentes cérémonies de récompense, eh bien, les WAM Awards sont là pour vous, ne vous en faites pas. Et si dans WAM Awards encore vous n'avez pas reçu, c'est que là, mon cher, ton cas c'est autre chose. Donc devant vous, sous vos yeux, des stars vont venir et passer sur le tapis rouge afin de rejoindre le studio et recevoir leurs différentes récompenses. Ils font du coupé décalé, ce sont des chanteurs, ce sont des figures de la toile, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ce sera vraiment exceptionnel. Le moment est hors du commun, à marquer d'une pierre blanche la première édition des WAM Awards. Je sais que déjà, on a des stars qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les faire venir. Oui, l'organisateur déjà, l'organisateur de la cérémonie, voilà, il est là. C'est le citoyen lambda. Bonjour, monsieur le citoyen lambda. Alors, bonjour, bonjour. C'est quelle télé ? C'est Live TV. Live TV. Alors, je suis très heureux de vous avoir. Allez, vous savez qu'on a toujours organisé ces événements. Oui. Et cette année, c'est le summum. On a cumulé pendant 10 ans une cérémonie qu'on n'a pas faite. Oui. Vous faites ça en une fois. Donc, les participants, les lauréats auront le privilège d'avoir 10 trophées. Du coup. Chacun. Oui. C'est plus de retard, il fallait rattraper le coup et je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, ça a été dit par l'organisateur lui-même de WAM Awards. Chaque participant, chaque lauréat repartira avec 10 trophées du jamais vu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alors pour vous, le WAM Awards, ça représente quoi exactement aujourd'hui? Ça représente la qualité artistique, ça représente le travail exécuté tout au long de la carrière d'un artiste, parce qu'il y a d'autres artistes qui ont été lésés dans le monde, mais qui travaillent jour et nuit pour promouvoir le talent, et ça il faut que on doit remédier, et le WAM Award c'est pour remédier à ça, pour penser aussi des blessures, des frustrations. Ok, merci monsieur le commissaire général des WAM Awards, merci et à tout à l'heure pour la suite des événements. Voilà, on a déjà reçu le commissaire général des WAM Awards, hein, je vous ai dit, c'est une vraie pluie de stars qui va tomber aujourd'hui ici même à Live TV, ici même dans nos studios. Une autre star, une légende, une icône, il n'est plus à présenter, il est désormais mythique, c'est le Daïkada, ambassadeur culturel du Tonkwi, roi du coupé de Calais. Alors, le Daïkada, ça te fait quoi aujourd'hui d'avoir été nominé pour les WAM Awards? Bon, j'espère que la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays, pays de paix, pays de développement, la paix, la réconciliation et l'harmonie, mais dans la main, la paix et discipline. Et le travail. La paix, la discipline et le travail. Mais après tout ce qui s'est passé, après toutes ces frustrations que tu as ressenties lors des récentes cérémonies de récompense, aujourd'hui, être WAM Award, ça représente quoi pour toi? Et puis qu'est-ce que tu espères pour cette journée-là? Bon, aujourd'hui, ma guerre, ça n'a pas été ma victoire. Mais c'est rien pour moi, c'est que je suis la Côte d'Ivoire, ça continue. Mais il m'a dit aux Ivoiriens que cette fois-ci, comme le coupé de gâteau dans ma main, donc pour l'instant, il m'est retiré pour quelques jours. Voilà, pour quelques jours, et laisser le coupé de galère accéder dans la main de quelqu'un d'autre. Mais il sait que plus tard, on va la suite. Mais sur le Burkina, il y a quelques jours, si peut-être dû, Inch'Allah, 6 mois, je serai au Burkina, pour mes repos en Côte d'Ivoire. Mais là, tu seras récompensé pour ton travail. Pourquoi tu veux encore quitter le mouvement? Tu es récompensé, c'est complet là? Non, il sait que je serai recommencé, mais comme il y a un contrat au Burkina, il faut qu'il doit représenter ça d'abord avant de venir. Ok, merci bébé sans osement. Il fait également partie des nominés pour les WAM Awards. Et on espère que cette fois-ci, il sera lauréat et on ne le verra pas pleurer après dans un taxi de la place. Ça continue, hein, toujours des stars, toujours des icônes, toujours des célébrités qui viennent sur le tapis rouge. Et voilà, c'est Paquito qui me rejoint maintenant sur le tapis rouge des WAM Awards. Un tabouret avalé, un décodeur avalé, une clôture dans la mâchoire. On est bien sûr avec Paquito. Alors Paquito, ça te fait quoi aujourd'hui d'être nominé pour les WAM Awards? Ça m'a fait énormément plaisir même que le vieux Willy Dombo organise, oui. Le vieux Willy Dombo organise pour les cas graves. D'accord. Pour les cas graves du pays. Quand il dit les cas graves, les stades du pays. D'accord. Voilà, il nous a appelés, nous sommes là pour ça. Même si on n'est pas nominé au prix Moon, oui. Ici on serait nominé. Mais c'est vraiment touchant et c'est une preuve de sincérité, de franchise incroyable de se classer soi-même parmi les cas graves. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui pour les WAM Awards? Sinon, moi-même, ça m'étonne, en tant qu'un cas grave, un président de Kwakit, oui. Le chef du village de Kwakit, lui, n'a pas été nominé au prix Moon. En tout cas,
Il a dormi tranquille. Ça m'a fait mal, mais il a fait comment? C'est déjà fait. Ne t'en fais pas, le tir sera rectifié, cette injustice sera réparée. Tu seras tout à l'heure lauréat dans le WAM Award et c'est tout à ton honneur. Merci Paquito. Merci Paquito. Que des stars, que des célébrités, je vous le disais à l'instant, ça continue d'arriver. Et là voilà, elle est là, avec sa grâce, comme son nom le dit. Alors, grâce, comment tu vas, ma jolie princesse? Eh bien, 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 bien. Bon, ça va. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu es nominée pour le WAM Award. Qu'est-ce que ça te fait déjà? Ça me fait du bien. Je suis très, très contente même. Je suis fière. Et puis, je suis heureuse pour mon papa même. Ton papa Willy Dumbo ou bien ton vrai papa? Mon papa Willy Dumbo pour Ismo et moi. Oh, franchement, ça fait plaisir. Alors, Grasso, quand on t'a dit que tu étais nominée pour le WAM Award, quelles sont les premières impressions que tu as eues? En tout cas, ça m'a étonné en fait. Ben, il était un peu surpris, il était dans la joie pour mes paniers en fait. D'accord. Donc là, je suis contente, mais fière même. Oh. Sans nous, on n'est rien. Merci Grasso. Il faut savoir que nous aussi, on est très, très heureux de participer à ton épanouissement et à tout à l'heure dans le studio. Ça continue d'arriver, hein, comme je vous l'ai dit. C'est que des stars, c'est que des immenses célébrités, des icônes de la musique ivoirienne, du showbiz, de la toile. Et il est là. C'est notre légendaire, l'Opère d'Alois. Quand on dit à mon nom, c'est que c'est lui, c'est qu'il est là. Alors, l'Opère d'Alois, oui. Tu es nominé aujourd'hui pour le WAM Award. Tes impressions? Oh oui, mais c'est un plaisir pour moi. Je suis heureux. Si on veut me décorer au lit, c'est une grande fête pour moi. Il faut qu'elle y ait bien. Alors, comment tu as reçu la nouvelle de ta nomination? Tu étais dans quelle position? Et puis, tu as appris que tu étais nominé aujourd'hui pour le prestigieux WAM Award. Non, bon, il était là quand il a vu le message sur ma page. D'accord. Il a dit, mais il faut qu'elle y ait bien. Il vient honorer la fête, au fait. Okay, la vie, là, comme elle était honorée, il faut aimer. Il faut aimer le travail que tu fais. Okay. Ouais, c'est passé sous forme, on veut me nominer. D'accord, voilà, merci. D'accord. Et pour toi, c'est dans quelle catégorie que tu mérites de gagner le prix? Non, mais là, ça, tout le monde sait. D'accord. Tout le monde sait que où le père d'Alois, on doit le mettre, là, il n'y a pas quelqu'un. D'accord. Je suis le maître des maîtres, il n'y a rien. Voilà. Dans quelle catégorie du nom? Non, mais c'est le grand catégorie. Oh, vous connaissez. Magnifique, exceptionnel. Merci, le père d'Alois. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du studio pour la suite de cette magnifique, cette flamboyante, cette clinquante, cette prestigieuse cérémonie des WAM Awards. On a toujours des stars qui arrivent. Et voilà un reporter hors pair, un maître du micro, un grand roi de la caméra qui me rejoint aujourd'hui. Il est grand par la taille et par le talent. C'est bien sûr notre très cher Henri Diagamé, Mr. Wanted, Mr. Henri Saint-Christ. Henri, nomination au WAM Award. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que moi je suis nominé? Tu es nominé, bien sûr. Ah, tu penses? Bien sûr. Ah, je savais pas. Hein. Bah, oui, tu es nominé. C'est un plaisir pour moi, franchement, de participer à cette prestigieuse cérémonie qui pense à ceux dont les autres n'ont pas pensé. Voilà. Donc voilà, c'est tout un honneur. Tous ceux qui ont été oubliés. Voilà, tous ceux qui ont été oubliés. Donc voilà, on est là aujourd'hui et on sera célébré comme il se doit. Ok, merci beaucoup, Henri. Merci, Henri. C'est vraiment un immense honneur pour moi de te recevoir sur le tapis rouge de WAM Award. On se retrouve tout à l'heure à l'intérieur du studio. Merci, Henri. Ça continue d'arriver. Je vous ai dit, c'est une pluie de stars et une pluie ne s'arrête pas comme ça. Alors, manager confirmé, ça te fait quoi de participer au WAM Award? Mais déjà, il y a une première question. Yeah. Toi, tu as déjà eu primu, on dit que c'est pour ceux qui ont été oubliés. Toi, tu fais quoi ici? Bon, en tant que manager confirmé, en tant que, quand même là, le dernier de coupé décalé, je prends partout quoi. Tu vois, non, donc aujourd'hui, je viens prendre encore le trophée d'ici encore. Tu viens prendre le trophée d'ici encore? Le Dinkada est là, hein, parce que déjà il te guette. Tu l'as trahi sur l'autre côté, maintenant tu viens venir faire quoi encore ici? Tu sais que c'est mon petit. Nous et puis on ne peut pas être dans le même terrain quoi. Ça veut dire qu'on est devenu comme Arafat et puis de Bordeaux. Ouais, tu vois non? Ouais. Il est mon fils dans là. Il n'a qu'à se calmer un peu. Ok. Donc c'est juste un clash entre deux stars. Non, c'est pas clash, mais c'est mon petit. Bon, c'est lui qui. Tu vois, non, il veut te jouer dans les rues, alors qu'il sait que non, c'est mon fils. Ok, d'accord. Tu vois, ok, il n'y a pas d'adon. Merci beaucoup, manager. Rendez-vous sur l'ITV tout à l'heure. Il va vous présenter mon nouveau single, on appelle ça Akadi. Ok. Malo Kadi. Ah. Tu auras la chance de présenter ça tout à l'heure sur la scène de WAM Award. Alors vas-y, manager. Merci beaucoup. Et voilà, je vous l'ai dit, on a toujours des personnalités qui arrivent. Oh là là, je ne vous dis pas. Celui qui va faire son entrée pour le WAM Award, c'est un personnage mythique, iconique, reconnu à travers le monde entier. C'est le roi des réseaux sociaux. On va recevoir maintenant le général Camille Makosso. Alors, général, vous êtes présent pour la voilà, on entend des acclamations dans le studio à votre arrivée. Alors général, vous êtes présent pour la cérémonie, la première édition de WAM Awards. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous? Écoutez, je suis présent ma qualité du père de tous les immatures, le père spirituel de tous les artistes, le père des réseaux sociaux dans le but de pouvoir apporter ma touche spéciale dramatiquement
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ok. On dit que les WAM Awards, c'est la cérémonie de récompense pour tous ceux qui ont été oubliés. Quand tu entends ces mots, qu'est-ce que ça t'inspire? Je comprends que nous sommes dans le 11e mois. Oui. Or, la Bible déclare qu'il y a les ouvriers de la 11e heure. Oui. La Bible déclare que les derniers seront les premiers. Oui. Et aujourd'hui, ceux qui ont été considérés parmi les derniers seront aujourd'hui les premiers. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement, c'est bien dit. Merci beaucoup, Général. Vous allez être conduit par les hôtesses à l'intérieur du studio. Et merci pour votre présence à la prestigieuse cérémonie des WAM Awards. Alors, voilà, hein. Toutes les stars sont passées sur le tapis rouge. On va tout à l'heure commencer la prestigieuse cérémonie des WAM Awards. Mais avant bien entendu de démarrer cette cérémonie, on va regarder ce qui s'est passé hier dans William Midi. Pour tous ceux qui ont raté l'émission, le meilleur du pire, le pire du meilleur, comme le dit mon ami à la célèbre calvitie. Ça s'est passé hier dans WAM, on regarde ensemble. Alors, j'ai dit votez-moi dans mes plumes. Comme je suis nominé, vous devez me voter à ce que je gagne le premier. Tu veux goûter fuego, pas de bisous, faut ranger ton labello. Comme de bord de tchatchala, le bec. Oh la 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 la. Pépite, allez vous faire enrôler. Qui s'enrôle ici? On m'a pas. On dit, quoi? Y a un gars qui se noyait à Bassam. Hein? Il a crié un coup. Je me suis fait enrôler hier. 7 requins lui ont fait une escorte pour le sortir de l'eau. Il a été baptisé à Paman de Bassam. Comme il a dit, c'est le Feja. Cette semaine, on débute le Feja. Le Feja, c'est le festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Afrique. D'accord. Donc, c'est un festival qui a pour but de célébrer la technologie, mais surtout les jeux vidéo. Ouais. Je sais qu'il y en a qui aiment jouer Naruto ici, FIFA, forcément. Dragon Ball Z. L'engagement devant Dieu, devant la terre, devant la nation. Il n'y a pas mon effort. J'ai dans le coupé des galeries. Mais j'ai vu comme c'est un moment de manque de respect, c'est un moment de foutage. Je pense que ma première action automatiquement après mon élection, c'était une collecte de dons pour les plus démunis pour le mois de Ramadan. Ouais. Et ça va être des actions dans ce sens. Normalement, je suis en train de préparer une campagne de sensibilisation contre le VIH SIDA. Ouais. Désolée, je vais crier sur toi non, parce que là, je ne mêle pas avec mes affaires. Non, hey, pas le temps. Voilà, tu sors et puis c'est tout comme d'habitude. Hey, attends, si je veux. Comme d'habitude. C'est mon cœur, je comme d'habitude. Alors, Poubi. Uh-huh. Vraiment, je pense que c'est un des nouveaux poids lourds de l'humour en Côte d'Ivoire. Et justement, il sera accompagné donc, à spectacle. Un autre poids lourd du rap, notamment à Baume et l'éléphant. Ouais. C'est prévu pour où? Le samedi 16 novembre. Tout près là. Après demain là. Espace Agora de Kumasi. Ouais. Très bien. Entrée, grand public. 2000 et puis VIP 5000. 5000, voilà. C'est pas cher en tout cas, justement, parce qu'il dit c'est gâté au quartier ici. C'est moi ta tête. Merci à tous qui croient au mouvement, ouais. Merci à tous ceux qui accompagnent. Et voilà, je dirais c'est une aventure, mais c'est aussi, une opportunité pour moi de montrer ce que mon équipe et moi, on a envie d'offrir à tout le monde. On va travailler. Ouais. Tous mes frères gabonais, les gars, la musique gabonaise est en train de prendre une autre tournure. Ouais. Et on remercie Dieu, on va travailler et ça va aller wallahi. Voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement pour vous, une cérémonie de récompense hors normes avec les personnalités les plus prestigieuses du milieu des arts et des spectacles sur tout notre continent. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend. Il part par le doublé. I, 2 L, Y, D-U-M-B-O, faites du bruit s'il vous plaît, pour Willy Dumbo.
Merci, venez vous asseoir, merci. Merci infiniment. J'aimerais s'il vous plaît qu'on puisse applaudir et honorer avec une salle d'applaudissements s'il vous plaît notre invité spécial pour cette première édition donc des WAMA, les WAM Awards. Oui, le seul award qui vous rappelle qu'on ne vous a pas oublié. J'ai nommé la légende, Général Camille Makosso. Merci mon Dieu, merci, on peut se rasseoir. Yep, allez, après les awards, les primudes donc, et bientôt les Kora Awards, voici les WAM Awards, les WAMA, la cérémonie de récompense la plus prestigieuse de l'histoire des arts et du spectacle africain. Ici même, sous vos yeux, les plus importants acteurs de notre showbiz viendront récupérer leur trophée. Avant eux, on aura aussi certainement un génie du rap ivoirien au flow incroyable et au phrasé exceptionnel, Tripa Nyenin, qui normalement sera avec nous. Il a été récemment primé au récent Primude. Il sera là aussi, bien sûr, pour nous offrir la primeur de son nouveau single, j'ai nommé Manager Confirmé. Il viendra aussi sur cette scène-là. En attendant d'être noyé dans une étincelante pluie de stars, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Pour cette première édition des WAMA, les WAM Awards. On ne vous a pas oublié. On ne vous a pas oublié. Waouh, j'imagine regarder un peu tous nos nommés. C'est crispé, ils sont tous crispés. On les applaudit s'il vous plaît. Waouh. Alors, j'aimerais demander donc à nos nommés. Bonjour Grâce. Grâce, ça va, est-ce que tu penses que tu as gagné aujourd'hui? Oui. D'accord. Dalo Inter, est-ce que tu es confiant pour ce jour-là? Oui. Paquito, est-ce que tu penses que tu vas remporter un prix aujourd'hui? Oui. D'accord. Et bien sûr, le Wourou, est-ce que tu penses que aujourd'hui, si ça n'a pas marché au Primute, aujourd'hui, si tu remportes un prix, tu vas laisser ton histoire de je vais abandonner le coupé décalé? Il est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Mesdames et messieurs, je ne suis que le simple présentateur parce que cette grosse soirée, cérémonie de distinction, donc sous l'œil vigilant de notre invité d'honneur, invité très spécial, j'ai nommé le général Camille Makosso, que je vous demande de m'asseoir très fort. Nous allons bien sûr démarrer avec on va dire donc les discours de bienvenue, voilà. Et le premier discours va être fait, bien sûr, par monsieur le commissaire général de cette première édition des WAMA, les WAM Awards. J'ai nommé donc monsieur de Perpignan. Bonjour monsieur de Perpignan. Oui, bonjour. Bonjour Willy. Je suis très heureux d'être là à ce jour-là, parce que c'est un jour exceptionnel. On a bien voulu honorer nos artistes. J'ai entendu dans les coulisses, quelqu'un dit on ne pleure pas cette année. Oui, mais écoutez, on ne va pas pleurer, puisque c'est les règles, hein, différentes règles du jeu. Je disais, il y a 10 ans, on devait commencer les awards de WAM, on n'a pas pu. Donc, on va cumuler une seule soirée. Voilà, les 10 ans de ces awards-là. Donc, les artistes ici se verront répartis avec 10 trophées chacun. C'est pas petit. On a mis le plus grand point dans les petits pour pouvoir. Et donc, d'ailleurs, nous avons notre invité. On a eu des soucis pour l'avoir. Son calendrier était tellement chargé. Mais on l'a eu, M. Makosso, ici, qu'on va ovationner le général. Merci pour votre présence. Mais écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, je lance maintenant les opportunités puisque nous allons partir pour les WAM Awards. Oh, mesdames et messieurs, bonne chance à tous nos candidats et que la fête soit belle. Vous voulez bien aller ou vous voulez bien aller? Bon,
Merci, je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, monsieur. Quand même. Le commissaire général des Wamba, monsieur de Perpignan, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Allez. Mesdames et messieurs, tout juste après, donc, le mot de bienvenue de monsieur de Perpignan, qui est très, très heureux d'être à côté, donc, de notre invité d'honneur qui fait office de parrain pour cette première édition des Wamba. Je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, de faire du bruit pour notre sponsor officiel. Voilà, c'est... Voilà. L'entreprise, c'est Bele & Co. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour le représentant. Monsieur le représentant du sponsor officiel des Wamba. Doucement, doucement, monsieur le représentant. Allez-y pour votre discours. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux, en tant que partenaire officiel, d'honorer, c'est-à-dire de constater la multiplication des cas graves dans le pays. Je vais profiter en même temps pour dire merci au président des cas graves, M. Makosso, et notre sponsor a décidé aujourd'hui de, c'est-à-dire de donner 50 tirs à tous les gagnants. Voilà. Et on veut profiter en même temps pour remercier tous les parrains des cas graves, notamment M. Benzema, gouverneur Benzema, Aziz 47, qui sont toujours dans le dos à un manager. Et on veut demander aux sponsors, aux candidats qui sont un peu fâchés. Il ne faut pas te fâcher contre le spirituel. Alors, je profite en même temps pour donner... on a causé avec un de nos partenaires, oui. Dougou Tigui, qui, lui, n'est plus dans les cas graves. Il offre 3 prières de délivrance. Une prière matin, une prière à midi et une prière le soir. Peut-être là, Manadja va laisser. Mais Manadja, ce qui est derrière lui est fort. Et c'est sur ces mots que nous, partenaires, nous disons aux candidats, nous avons des listes derrière. Tu prends ton trophée. Tu viens derrière. Si tu finis de boire, tu dandines, c'est ton problème. Voilà. Mais un don de 50 tirs pour tous les gagnants. Sponsor officiel. Merci à vous, monsieur. On va le raccompagner, bien sûr, donc par une salle d'applaudissements. Mesdames et messieurs, nous allons dans quelques instants seulement écouter le discours de notre parrain, c'est-à-dire donc de notre invité d'honneur qui n'est autre que le général Camille Makosso. Mais avant, bien sûr, puisque cette cérémonie-là est prisée par tous les plus grands annonceurs du monde entier, souffrez qu'on puisse marquer une petite pause. Voici la pub. À tout à l'heure. Portez-vous, calmez-vous. Mesdames et messieurs, it's time. C'est le moment pour nous, bien sûr, donc, d'écouter notre parrain, bien sûr, notre légende. J'ai nommé le général Camille Makosso pour son mot de bienvenue. Il est accompagné donc par le commissaire général de Wamba. Vous allez bien? Ça va. Super. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui est un événement spécial. Ils ont été exclus, ils ont été, je pouvais le dire, frustrés pour certains,
Mais aujourd'hui, WAM a décidé de les honorer. Pour faire comprendre, monsieur le commissaire, aux uns et aux autres qui se sentent souvent abandonnés dans leur vie, que dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte. Lors de la dernière finale de la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a été opposée au Nigeria. Et vous savez tous que les premières médailles n'ont pas été remises à la Côte d'Ivoire, mais ont été remises d'abord au Nigeria. Vous savez, on récompense toujours les perdants. Et c'est après que la médaille d'or est donnée au vainqueur. Raison pour laquelle... J'aimerais ainsi donc annoncer à tous ceux qui sont connectés à cet instant précis, qui sont en train de mettre les cœurs, qui sont en train de partager la vidéo, celui qui partagera la vidéo, Dieu aussi ne t'abandonnera pas. Sur ce, je déclare ouvert, mesdames, mesdames et messieurs, les awards de WAM. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur le commissaire général. Merci à notre parrain. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, vous le savez donc, je le disais tantôt, nous on crée et il y a des gens qui copient. Justement, c'est la première édition des WAMA, mais il y en a qui nous ont copié et qui sont arrivés jusqu'à la 9e édition et ils ont fait pour eux aussi qui s'appelle les Primutes. Donc Henri est allé là-bas pour voir ce qui s'est passé et justement il s'est incrusté et tout juste après, bien sûr, vous aurez la primeur de découvrir qui repartira avec le premier WAMA de cette première édition-là. Ce sera dans la première catégorie, mais pour l'heure, Henri s'incruste au Primude, regardez. Nous sommes à la 9e édition des Primudes et il est 9h du soir. Coïncidence ? Oui, car j'ai fait exprès d'attendre cette heure pour faire une introduction qui déchire, comme ma tenue. Ça le fait, hein ? Bienvenue à la 9e édition des Prix des musiques urbaines de Côte d'Ivoire. Les chaussures dorées, hein, c'est sorti ce soir. C'est pour marcher sur les jaloux. C'est pour les tuer même. Ça, c'est ce qu'on prend pour faire nos éponges. J'ai reconnu le bail. J'ai reconnu la matière. Ça, c'est mon éponge. C'est méchant. Bah si. D'habitude. Tu connais. Ça, c'est pas chiffon qu'on prend pour nettoyer les tableaux là. Non, faut toucher. C'est pas ça. Comment tu vas, mon vieux? Ça va très bien et toi? Et ta journée, comment c'est? Ah, ça s'est passé très bien. Ok, aujourd'hui c'est moi l'animateur, monsieur Sté Milano, en Bouchkara, y'a pas que c'est. C'est ta médaille, ouais. Chevalier. Ouais. C'est quoi le titre exact déjà? Du bonheur, c'est même tout qu'on ne matisse pas trop. Ah, tout bas, du bonheur. Ah, chevalier du bonheur, comme. Ah. Sinon, le père, je peux prendre sa main aussi à ta place. Hein. Tu vas prendre la main de qui? Ça. Bon, d'accord. Tout doré. De chez Élisée Conan, voilà, j'ai opté pour une robe avec bustier pour mettre en valeur ma taille de guêpe. Petit changement pour cette édition, la cérémonie des Primudes se délocalise et s'installe au parc des expositions. D'ailleurs, ça se passe derrière là et on va y aller. Bonsoir et bienvenue aux Primudes. Chevalier d'honneur, chevalier d'or, chevalier de mérite. Et c'est très bien organisé. J'espère que tous les artistes, en tout cas ce soir, qui seront primés, vont mériter amplement leur récompense. Mais c'est quel coiffure ça? Oh non, c'est pas possible. Quoi? C'est pas lui. Mesdames et messieurs, incroyable. Le Taï, le Renan, le Kada. L'homme qui couait tout le monde. L'année précédente, tu étais parti en colère parce que tu n'avais pas remporté. Bien. Tu t'es passé pourquoi le Taïkada? Et cette année, tu reviens encore plus fort que jamais. Mais on a appris que tu avais prévu de courir le trophée même si tu ne gagnais pas. Bien sûr, j'ai gagné. Ah, tu as gagné. J'ai écrit. A few moments later. Félicitations. Sans os, ça me fait plus, on va arrêter. Il y a un homme qui est manager, mais il n'y a qu'à se dire que moi, c'est fini quoi.
qu'est-ce que tu as à dire à Bébé Sans Demain? Bon, Bébé Sans Demain, en fait, non, franchement, cette année, ils voulaient laisser le trophée là d'appel de Bébé Sans Demain. Mais si elle laissait lui seul avec les gars, les gars les prennent. Donc, Bébé Sans Demain, je crois que comme il y a deux, tu as déjà touché un peu. Non, tu vas suivre mon boss de loin. Et sans loin, là, regarde. Regarde, le podium, il est là-bas. Lui, il est là. À quel moment Polo va arriver là-bas si c'est gâté? Toi, tu connais le système de loin pour lui. Alia, je t'aime beaucoup, ma fille. Mon nouveau nom, c'est Vinicius. Yare, mon fils, c'est si quand que j'ai. Prouvé depuis le gars qui j'ai. Triceps comme Bakiri. Ça se passe bien, ça se passe très bien et tout. Bravo, Amoula, bravo. Mon frère, je ne veux pas t'expliquer. Ma joie est immense, je suis plus que contente. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le soutien. Merci à mes élus. Merci, Light TV. Elle a 2 millions, là, combien de temps? 2 000. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bravo, voilà. C'était ça, donc, bien sûr, c'est ce qui s'est passé lors de la 9e soirée. Des primus, des prix, des musiques d'ici et d'ailleurs, voilà, donc du coupé décalé. Bravo encore à Mollard et à toute son équipe. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de découvrir le lauréat dans la première catégorie de cette première édition des WAMA. Et je vais demander donc à notre hôtesse, dans quelques instants, avant bien sûr donc que notre hôtesse arrive pour remettre le prix, je vais vous demander de bien vouloir accueillir, comme il se doit, une star africaine de la musique. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Axel Meryl, qui nous rejoint maintenant. Axel Meryl. Axel. Merci, Axel. Comment ça va? S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de votre micro pour Axel Meryl, qui est là donc pour remettre un prix. Et bien sûr, il restera avec nous tout le long de cette cérémonie-là. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Bonjour, Axel. Bonjour, Willy. Ouais, Axel. Je pense que vous avez reçu donc un trophée, celui du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, ouais, voilà, récemment au Primut. Là, vous n'êtes pas nommé, c'est dommage, mais vous allez bosser plus pour être nommé ici l'année prochaine. C'est ça, bosser très dur. Et ils sont là, les nommés, donc, les cœurs qui battent. Et donc, avec vous, on va savoir qui c'est qui repart avec le trophée pour cette première édition des Wamala. Le trophée, donc, du meilleur catégorie, meilleur rampeur, que nous allons découvrir maintenant. Élément. WAMA, du meilleur rampeur. Voilà. Vous l'avez certainement. Vous l'avez certainement deviné, donc, deux personnes dans la même catégorie. Mais que dis-je, la même personne donc, est nommée deux fois parce que vraiment, un excès de rampologie. Et bien sûr, donc, un autre, on salue donc Pancho Legata qui malheureusement n'a pas pu venir. Il a aussi quand même donc, enregistré un message au cas où, bien sûr, c'est lui qui repart avec le trophée. And the winner is, nous allons le découvrir maintenant, hôtesse. Ma chérie, quand je vais donner la fin vite, ça fait si tu avais cherché Marie. Allez, l'hôtesse qui attrape d'abord le trophée. Alors, monsieur Axel Meryl, c'est à vous de nous dire qui c'est qui repart avec le premier trophée pour cette première édition-là du meilleur rampeur. And the winner is... C'est le père d'Alois. Le père d'Alois! Le père d'Alois! Le père d'Alois! Ouh! Le père d'Alois! Le père d'Alois, bravo! Bravo! Alors, vous allez lui remettre donc le trophée. C'est bien écrit, meilleur rampeur. À la fois, à Kaké. Faites des photos. Et tout juste après, merci au test. Merci au test. Faites... Voilà, les photos là-bas, les photos là-bas.
Merci, merci. Alors, un petit mot rapidement. Non, non, restez là face à la caméra. Un message à l'endroit de tous ceux qui vous ont voté. Oui, mais d'abord, je l'ai dit merci. Ouais. Bah, tu es un artiste, c'est les fans, on doit dire si, merci. Si, si. Grâce à eux, on m'a décoré, je l'ai dit merci. C'est d'accord. Et l'anniversaire, c'est pour quand? L'anniversaire, c'est pour le 24 novembre. 24 novembre. Ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Non, Marco doit prendre, le général doit prendre sa carte d'invitation. D'accord. Ben, c'est nos papas. D'accord. Celui nous forme. Voilà, il faut le respecter. On n'est plus dans les tickets, mais on est dans les cartes d'invitation. Non, 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 mais lui, c'est pas ticket. Lui, c'est carte d'invitation, c'est mon papa. Est-ce que voilà. Très cher parrain, est-ce que vous confirmez que vous serez présent ce jour-là? Il faut dire que Père Daloa, c'est un fils spirituel. Très bien. Très poli. Je pense que même il ira avec moi bientôt en Guinée. Wow. Découvrir ce grand pays. Wow. Félicitations. Merci. Axel Méril, excusez-moi, on vous sert roi de l'improvisation. Ouais. Vous savez qu'il est fort aussi dans l'improvisation, non? Est-ce que vous savez ça? Oui. Voilà. Donc, Axel Méril, avant de vous rasseoir, moi, je vais vous donner, avec bien sûr Willy l'araignée, je vais donner à Axel Méril un mot et il va me faire une improvisation dessus. Alors, le mot, doi. Doi, ça veut dire doi, mensonge, ouais. Pas flottage et autres. Ouais. Sans qu'elle bat comme ça, elle dit, hé, hey, qui m'a envoyé. Yeah. Improvisation avec Axel Méril. S'il y arrive, les amis, ça va être terrible. Avec le mot d'Oï, il doit faire une impro. Go! Mais j'ai besoin de tout le monde. Écoutez. Je veux que vous répétez avec moi. C'est d'Oï, d'Oï. Yeah! D'Oï, bon? D'Oï. Voilà. C'est d'Oï, d'Oï. Ok. C'est d'Oï, d'Oï. S'il te dit qu'il est fidèle, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Qu'à son clé qui dit je t'aime, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Fais ça et dit qu'au-dessus son portable, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Mais il a combien de cousines, oh. C'est d'Oï, d'Oï. S'il te dit qu'il est fidèle, oh. Yeah. C'est d'Oï, d'Oï. Qu'à son clé qui dit je t'aime, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Fais ça et dit qu'au-dessus son portable, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Mais il a combien de cousines, oh. C'est d'Oï, d'Oï. Tchak, 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 tchak. Vous avez aimé ou pas? Ouais. Je pense que Axel. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. On a dit qu'il chante Doi. Et j'ai l'impression que c'est le public qui a chanté Doi, Doi. Il n'a pas sorti un mot de Doi dans sa bouche. Voilà. Donc, nous, il va dire c'est Doi, Doi. Nous, on va chanter. Monsieur Kizo People, s'il vous plaît. Laissez-nous poursuivre. On fait du bruit pour un nouveau sponsor, Monsieur Kizo People. Merci infiniment. Voilà. Alors, Axel, bravo encore. Et nous, on te met au défi, nous, les Wamiens. On veut que cette chanson-là saute. C'est Doi-Doi. Ouais. On a besoin de ça. Donc, tu fais sortir la chanson ou pas? Oui, je suis venu pour mon trophée, parti chez moi. Bon, d'accord. L'histoire nous retiendra. Peut-être ça va devenir très vite une traîne. Bravo encore, Axel Méril. Merci, merci infiniment d'être passé. Merci. Allez, tu ne pars pas, tu restes assis pour suivre le reste de la cérémonie. Voilà. Couto, on marque une petite pause. Et puis, avant, bien sûr, donc la pause, on part pour un deuxième trophée sous le regard, donc, bien objectif et bienveillant de notre très cher parrain, j'ai nommé le général Camille Makosso, qui ici viendra remettre le trophée. Il y aura deux trophées à remettre. Le trophée suivant qu'on s'apprête à offrir et le Wama d'or pour la légende de cette première édition-là. Et donc, je vais demander, s'il vous plaît, à notre très cher général Camille Makosso, sous vos ovations, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Ouh, la classe. Merci. Alors, général, moi, chaque fois que je vous vois, je suis sublimé par la beauté de vos vêtements. Qui c'est qui vous habille aujourd'hui, général? C'est un petit qui a failli détruire sa vie le jour du primude. Parce que ma tenue du primude est arrivée à 17h. Non.
Donc j'ai mis sa photo sur Facebook. J'ai dit après Balsada, prochain dossier en cours de téléchargement, méfiez-vous de ce jeune homme. Ouais. À 17h30, net. La tenue est arrivée. Alors. Donc je vais faire une vidéo spéciale pour lui. C'est le meilleur styliste pour moi. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut. Il a décidé de m'habiller. Wow. Là, il y a 10 autres tenues qui sont en préparation. Wow. Parce que je veux me donner un nouveau genre. C'est ça. Voilà. Et ça va tellement bien. Yeah. Alors. Je vais demander, oui. Pendant ce temps, général, comme tu veux te donner un nouveau genre, est-ce que les anciens gens là, tu peux pas nous donner? Ah, mais me donner, moi. Il n'y a pas de problème. Okay. Je pense que toi et moi, on a la même forme. J'ai beaucoup de costumes. Vas-y, là, il a un pantalon voilà. Pas bien repassé. Alors, justement, mesdames et messieurs, je vais vous demander. Mais la prochaine fois, il faut repasser ton pantalon. Il faut repasser ça. On y va repasser le pantalon la prochaine fois, PCO. Alors, mesdames et messieurs, je vais demander à notre hôtesse de nous rejoindre maintenant pour, avec le trophée et l'enveloppe de... Voilà. Allez, on va donner d'abord. Et là, mesdames et messieurs, avant de savoir qui c'est qui repart avec le Saint Graal de cette catégorie-là, découvrons à présent les nommés dans la catégorie meilleur paquet. Wama. De la meilleure paquette sont nommés. Salut, salut, c'est le général Paquito. Ouais, ouais. Je suis fan de ça, le général Paquito. Et entier, c'est le général Paquito. Yvon Lulay, Yvon Lulay, on est ensemble. Voilà, deux nommés dans cette catégorie-là. Ton Kwaku et bien sûr, donc, général Paquito. Et je tiens à préciser que Ton Kwaku a aussi enregistré une vidéo avec un chewing-gum dans la bouche, au cas où c'est lui qui repart avec le Saint Graal. Musique de suspense, qui c'est qui repart avec le Wama de la meilleure paquette? Wama de la meilleure paquette. Il dispose d'un paquette extrêmement dangereux à la dimension du Monemba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevons ici Paquito. 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 Attends, à général. Merci à notre test. Paquito. Meilleur Paquito de l'année Wama 2024. Merci. Allez, merci. Merci, merci. Paquito, message rapidement. La photo d'abord, photo. C'est carré, vraiment. Alors, petit message. Allez, petit message. D'accord, j'ai dit merci à tous mes fans, ceux qui ont voté pour moi. Voilà, c'est la famille, on est tous ensemble. On avance. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Général Makoso. Et justement, El Paquito. El Paquito. Mesdames et messieurs, le gagnant, s'il vous plaît, tout doucement, le gagnant de cette catégorie-là repart avec un abonnement. Chez notre sponsor, donc la salle de sport Equinox du côté de la Riviera 3. Et là-bas, il ira simplement avec un coach pour le développement donc, de ses paquets. Voilà. Et il a un an d'abonnement. On va encore l'applaudir très fort. Merci. Merci, Vasquez. Merci, mon général. Voilà, vous asseyez. Bien sûr, donc, pour la prochaine catégorie pour laquelle vous viendrez donc remettre le trophée. Mais avant, mesdames et messieurs, on va marquer une deuxième pause. Vous suivez les Wama première édition. On ne vous a pas oublié. Yeah. Merci, à tout à l'heure. Les Wama première édition. J'aimerais, s'il vous plaît, pour cette première édition donc, de la récompense des meilleurs, pardon, de l'année au Wama, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on fasse du bruit pour notre parrain, le tout-puissant, Général Tami Makoso. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et bien sûr, merci, merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, celui-là même grâce à qui nous avons pu créer les Wama, les WAM Awards. Donc, il est là. Sans budget, il a lutté et aujourd'hui, il ne lui reste plus que sa tenue, son pantalon froissé. De Perpignan, force à vous, merci infiniment. Merci, merci. Merci encore, s'il vous plaît, au sponsor qui va venir prendre sa place ici maintenant, s'il vous plaît, le sponsor officiel, voilà, des Wama. Voilà. Attention. Alors, cher parrain, franchement. Esprit de Quelle Drogue, sort de ce corps.
Je ne sais pas, mais on espère que d'ici la fin de cérémonie, il sera délivré. Donc, j'espère que les prochains prétendus sponsors ne vont pas avoir peur. On espère. De on notre espère. Parrain, parce qu'il vient notre parrain à vie. C'est juste que ce sponsor-là s'est imposé à nous. Ils ont dépassé la norme. Si, si. Voilà. Justement, oui, très cher sponsor, vous vouliez dire. Bon, parrain, sa main sort vite. Hein. On applaudit très fort pour le sponsor. Mesdames et messieurs, vous savez, pour des cérémonies de ce genre-là qui se respectent, il faut bien sûr donc des artistes et non des moindres. Je vous permets de découvrir ou peut-être de redécouvrir donc l'une des valeurs montantes et sûres du Zouglou Made in Côte d'Ivoire. On les appelle les phénomènes du Zouglou. Ils viennent ici pour nous proposer un nouveau single baptisé Azézé. Regardez, découverte. Zouglou. Le rappel de tout le bleu, au bas la légende, à Titiquet, Annie l'italienne. Yeah, un zé 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 zé, un zé zé zé, un zé o ni a o, un zé zé zé, zoé 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 o, un zé, allez zoé 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 o, un zé zé. Ma vie t'ivoire n'est pas facile, si tu as cherché, tu vas trouver où, quand tu n'as pas cherché, tu vas pas trouver où. Le temps est tellement petit, oh. Parler des autres, ça va rien t'apporter. Commandancier, voilà Jonathan Morrison qui a fait son petit projet. Au quartier, tout le monde le négligeait. Au quartier, tout le monde lui niait. Facebook, même là-bas, même on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il remplit le stade. C'est pour te dire, il faut te battre. Si tu te bats, tu vas arriver devant. Un objectif bien défini. DJ Pharaon Zima. Et à moitié à Théo. Qui se DJ? Celui qui se cherche n'a pas peur du noir. Yeah, un zé 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 zé. Un zé zé zé. Un zé o ni a o. Un zé zé zé. Zoé 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 o. Un zé. Allez zoé 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 o. Un zé zé. Sous les mamas o, sous les mamas o. Un zé. Sous les papas o, sous les papas o. Un zé. Allez mamas o, yeah mamas o. Un zé. Allez papa o, allez papa o. Le soleil ne s'annonce pas, ne s'annonce pas avant de s'élever. De peur qu'on l'empêche de briller. Donc mon ami, faut pas abandonner. On est déjà né, on peut plus retourner t'enfant. J'ai travaillé toute la semaine. C'est pas le week-end, tu vas me donner conseil. Pour les conseils, faut passer le mardi. Sinon actuellement c'est un zé 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 zé. Un zé zé zé. Un zé o ni a o. Un zé zé zé. Zoé 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 o. Un zé. Allez zoé 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 o. Un zé zé. Sous les mamas o, sous les mamas o. Un zé. Sous les papas o, sous les papas o. Un zé zé. Allez mamas o, allez mamas o. Un zé. Allez papa o, allez papa o. Un zé. Maman Annie Gogoua, Mathilda la marraine. Capitaine Deco. Yannick Rossi, le maître du game. Autorité Rachamel, autorité basse Côte d'Ivoire. Un zé, commandant Fatalo, allez Pétou. Un zé, Harry Potter, Doriako. Un zé, Cheval Gagnant, fais-nous gagner. Un zé, Général Priamo, fais-nous prier. Un zé, Ambi voiture, donne-nous voiture. Un zé, Yen Ibrahimo, mon président. Un zé, Jojo Kadjo, notre connexion. Un zé, lieutenant Steven Ouattara. Un zé, Didi. Didi, dis-là nous courons papa dans le phénomène. C'est lui qui dit ça. Autorité JM Yao, Léon Noumra, Vladimir Léon. Oui, je vous fais le même de Zouglou. Hé les gars, rapidement tu vas présenter, tu te présentes rapidement, c'est quoi ton nom? Moi c'est Stato. Stato Phénomène et lui? MT. MT Phénomène. Zoé Phénomène. Zoé Phénomène, comment on fait pour vous contacter? Déjà le son est sorti, voilà. Depuis le 5 octobre. Depuis le 5 octobre, voilà. Super, ça marche. Et bien sûr, pour vous joindre pour des cérémonies, c'est quoi le numéro? Le numéro, c'est le 07 58 46 66 58. Faut le donner. 07 58 46 66 58. Nicolas. Mais donne une dernière fois. 07 58 46 66 58. Les amis, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et puis bonne chance pour la suite, en tout cas. Merci, on fait du bon souvent pour faire le match du Zouglou. Allez, ils prennent la bénédiction, donc bien sûr, donc chez le général Camille Makosso. Merci infiniment. Allez, Boris, tiens, voilà. Mesdames et messieurs, voici une prochaine catégorie qui me plaît, parce que vous savez, dans la vie, il faut toujours sourire, c'est très important. Et bien sûr, donc, pour remettre officiellement le trophée dans cette catégorie, je vais demander encore à nouveau, s'il vous plaît, non pas à nouveau, mais au Hype One,
le Hype Man donc, qui est avec nous aujourd'hui. Le Hype Man, s'il vous plaît. Voilà, de notre très cher Axel Méril de nous rejoindre ici et maintenant. Boris, on récupère rapidement. Voilà le micro. Non, comme tu es petit, tu n'as pas vu. C'est pour ça. Bonjour, gars, comment tu vas? Bonjour, ça va très Allez, bien. Allez, il va se représenter encore, s'il vous plaît, c'est le. Bonjour, ici c'est Majestic 4.0. Majestic 4.0, c'est un Hype Man. Donne-moi un petit truc, tu vas voir ce qu'il fait. Un truc qui chauffe. Voilà. Voilà, lui seul il danse là-bas, mais quand on lui dit de mettre son. Sous les cocotiers. Yeah. Sous les cocotiers, s'il te plaît. Sous les cocotiers. Sous les cocotiers. Sous les cocotiers, panana, pa, pa, pa. Let's go. Are you ready, ladies and gentlemen? Tonight on one, we're gonna outside to make something the bad. I come from Black Cotonou, just wanna show you something. Everybody say, oh yo yo yo, oh yo yo yo. Say, give me the moon, talk to me now. Give me the moon, talk to me now. Say, ladies and gentlemen, 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 gentlemen. That's a chapeau, my girl. Let's go, Jeffrey. Yeah. Attention, attention. Let's go, let's go ce soir. Attention, on y va. Ziggy, 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 tout le monde. Si, à Jonathan, Jonathan, Maelo, allez Maelo, allez Maelo, à Kalaka, Chita, to, à tout le monde, bon, 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 à Kuma, yo, yo, Zagas, y'a tout, tout. On y va. Chez Baba, cachez-vous. Chez Baba, chez Baba, cachez-vous. Chez Baba, tout le monde sait. Geja, on dit quoi? On va gâter le bois. On gâte Wam. Geja, on dit quoi? On va gâter le bois. J'entends rien, c'est Geja, on dit quoi? On va gâter le bois. Tout le monde. Ah, ta, 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 bi, bi, bi. J'entends rien, j'entends rien. L'éléphant. L'éléphant, quoi, quoi? Fin des mots. Fin des mots, quoi? Faut cacher. Faut cacher, dis quoi? Chéri Coco. Chéri Coco. Tout le monde, chéri coco, 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 chéri coco, chéri coco, coco, aïe aïe aïe. On va du bruit, s'il vous plaît, pour Majestic 4.0. Et Majestic, bravo encore, merci infiniment. Merci, c'est le Hype Man. Et il accompagne, bien sûr, donc, bien sûr, Axel Méril. On fait du bruit pour lui. Merci, Axel aussi, bien sûr, de mettre de la lumière sur lui. Merci, mon gars. Et reviens quand tu veux sur ce plateau-là. Abidjan, c'est chez toi. Wam aussi, c'est chez toi. Merci. Mais cette année, tu ne vas pas gagner prix ici. Merci, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Allez. Pardon, excuse-moi, on va en profiter puisqu'il est là, parce qu'il n'est pas là tout le temps. Tu vas remettre ici donc une catégorie. Voilà, tu gardes le micro. Et je vais demander donc à notre test rapidement de venir. Mesdames et messieurs, Wama du meilleur sourire, voici la nommée. Wama du meilleur sourire sont nommés. Mesdames et messieurs, nous avons deux personnes qui ont toujours le sourire dans cette catégorie-là. La première, c'est Grâce, je vous demande de l'applaudir très fort. Et bien sûr, le second, n'attend que Boris Gouma. Qui c'est qui repartira cette année-là pour cette première édition avec le trophée du meilleur sourire, le Wama du meilleur sourire repart. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'il est important de sourire, oui, ce soir, il ou elle repartira avec le prix Wama du meilleur sourire. On nomme ce soir Grasso. Grasso. Waouh, bravo, petite photo avec monsieur Majestic 4.0. Voilà, Grasso qui a tout sourire. Ouais. Voilà. Ouais, c'est gâté sur les réseaux. On applaudit pour Grasso. Alors, Grasso, voilà, Grasso, rapidement, tu as ton micro ici. Non, 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 tu as le micro déjà que tu as porté. Vas-y. Bon, je voulais dire merci à tout le monde. Je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont voté. En tout cas, je voulais dire merci, que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les donne beaucoup d'argent. Amen. Moi, j'ai des difficultés. Amen. On fait du bruit pour Grasso. Merci, Grasso. Allez, la prochaine catégorie, c'est la catégorie meilleure. Voilà. Mesdames et messieurs, catégorie prochaine à venir, c'est meilleur. Pendant ce temps, je vais vous demander, s'il vous plaît, qu'on apprête Next. Voilà, il sait de quoi je parle. Meilleur. Meilleur proverbe, mesdames et messieurs, notre. Merci, merci infiniment. Merci, on va applaudir très fort, Majestic 4.0. Venez, venez, venez rapidement. Et pour remettre donc ce trophée, mesdames et messieurs, celui-là même qui cartonne en ce moment et qui a reçu un trophée, un primut, je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Manager confirmé qui vient remettre le trophée de la prochaine catégorie.
Bon. À quoi va, manager? Comment ça va? Merci. Tiens, tiens le micro. Manager, alors, j'attrape ton trophée. Yeah. Primude meilleur New Style Music. Musique. Voilà, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Bravo. Alors, tu le dédies à qui exactement? D'abord, je dis merci à, ouais, à toutes ces personnes qui m'ont voté. Si, si. Je dédie ce trophée à monsieur le ministre, ouais, de transport de Amadou Koné, parce que je suis un, ouais, fan de Boaké. Si, si. Donc je dédie ce trophée à Amadou Koné, à, ouais, tous mes fans de Boaké. C'est cela, très bien. Yeah. Et à tous ceux qui te soutiennent depuis à lors. À tous ceux qui me soutiennent, Maman Matidola, toutes ces personnes qui vont soutenir, ouais, jusqu'à cela. C'est cela. Et le concert, c'est quand? Le concert, c'est le 4 janvier au Palais de la Culture, 1500 places. 4 janvier, 1500 places. Ouais. On viendra te soutenir. Okay. Alors, et je on dit merci aussi à mon père, Papa Makoso, Général Camille Makoso, on met deux souches de tickets. Il a décidé de prendre deux souches de tickets pour soutenir son fils. Donc applaudis un peu pour mon père. Papa Makoso. Ouais, manager a bien fait son inscription à la Haute Académie de la Marne. Ouais, manager est fort, manager fort. Manager fort. Ouais, je prends deux souches, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Merci papa. Deux souches donc. Créé, il est fort. Allez, manager, oui, je récupère le Primude. Là maintenant, avant bien sûr donc de découvrir qui c'est qui repart avec le Wama, oui, du meilleur proverbe, voici les nommés. Ok. Wama. Du meilleur proverbe sont nommés. Le succès n'appartient pas à quelqu'un. Même le plus maudit aura son jour de gloire. C'est Dieu. Il a dit dans ma philosophe, quand Dieu prend le secret de ton ami, ils vont vous en tirer ensemble. Si tu as pris caillou pour l'appeler crapaud, si ton père a capé caillou, c'est qui te cherche, c'est qui t'a vu. Bon, mesdames et messieurs, c'est vraiment serré dans cette catégorie-là. Alors, on va ouvrir, j'attrape le micro. Manager va ouvrir, c'est serré dans cette catégorie-là. Qui de Zagba le requin et du Wourourou, bébé sens de mort, qui ici, franchement, dont le cœur bat, repartira avec le Wama du meilleur proverbe. Qui c'est qui repart avec le Wama du meilleur proverbe? Bébé sens de mort. Bébé sens de mort. Wouh! Bébé sens de mort. Wouh! Bébé sens de mort. Bébé sens de mort. Attends d'abord. Hey, attends. Attends. C'est toi qui décide ici. C'est moi le boss. Voilà, bien. Merci. Brrr. Bébé sens de mort, vous n'êtes pas venu pour une prestation, vous êtes venu pour prendre un prix. Voilà. Non, c'est mon émission, c'est moi. Non. Non, sinon, tu ne viens plus à l'émission ici. Merci. Voilà. Récupérez votre trophée. Voilà. L'hôtesse aussi, hein. Applaudissez pour l'hôtel, s'il vous plaît. Approchez-vous. Voilà. Il récupère son trophée, mesdames et messieurs, photo de famille. Regardez là-bas, regardez là-bas. Regardez là. Belle image. C'est l'image qu'on revoit dans le coupé décalé. Attendez, petit message rapidement. Bon, il m'a dit merci aux Ivoiriens. Merci à tous ceux. Bodaba 1, Bodaba 2. Merci à la gare de Paris. Merci aux Ivoiriens aussi. Mais d'une part, je voudrais vous dire merci, parce que je tiens à me retirer. Je serai au Burkina à partir de demain, pour au moins de 6 mois. Au moins, tu as pris ton trophée. Voilà, donc si, je voudrais dire merci aux Ivoiriens, parce que je serai au Burkina pour 6 mois. 6 mois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. D'accord. Le Tarant Kadar. Merci. Alors, merci infiniment, ne partez pas. On va remettre une deuxième catégorie, bien sûr, avant de marquer une pause. Et tout juste après, on saura qui repart avec le Wama d'or. Ouais. Allez, prochaine catégorie, voilà. Applaudissez l'hôtel, s'il vous plaît, rapidement. Ouais. Mesdames et messieurs, Wama, catégorie du meilleur coureur. Voici les nommés. Wama, du meilleur coureur, sont nommés. Avec le trophée sous l'œil vigilant donc du général Camille Makoso, qui repart avec le trophée du meilleur coureur.
Wama, première édition. Encore Bébé Sans au démarre. Bébé Sans au démarre. Bébé Sans au démarre. Bébé Sans au démarre. Merci. Bébé Sans au démarre. Non, t'as un micro. Il repart avec le trophée du meilleur coureur. Est-ce qu'on peut faire la photo, s'il vous plaît? Ça fait deuxième trophée, deuxième Wama. Et c'est un deux fois Waman. Quel est ton message encore? Je me rends à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci à Benjamin, Gouverneur Benjamin. Merci à la Jumelle du Kada. Merci à Willy. Merci à Boudaba 1, Boudaba 2. Merci. 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 Merci à tous. Merci. Merci. Allez, la famille. Prochaine catégorie rapidement avant de marquer une pause. Rapidement avant de marquer une pause, on a la boue. Merci infiniment. Non, mais il reste, il va donner donc le prochain trophée rapidement. Prochaine catégorie. Je vois ici Wama du meilleur Baoulé New Generation. Wama du meilleur Baoulé New Generation sont nommés. Voilà, mesdames et messieurs, dans nos cœurs, le meilleur Baoulé New Generation n'est autre que notre très cher de Perpignan. Mais comme c'est lui qui organise la cérémonie, il est... voilà. On va ouvrir rapidement l'enveloppe. Qui c'est qui repart avec le Wama du meilleur Baoulé New Generation? Enfin, un gros coucou aussi à qui c'est qui sponsorise cette catégorie-là et qui a décidé d'offrir un an de Djungle Nikwema au meilleur Baoulé. Et notre hôtesse aussi, il est. And the winner is... À DJ Congélateur. DJ Congélateur. Oui, Boris qui va venir récupérer le trophée de DJ Congélateur rapidement. Voilà, Boris, va vite. Allez, rapidement, merci. Merci beaucoup. Merci. On est très heureux et très honoré de recevoir ce trophée. Il n'est pas là en ce moment. Et on préfère prévenir tout le monde que bientôt on revient pour prendre notre place dans le coupé décalé parce que c'est nous les premiers héritiers du Yoro. C'est merci. Ça. Merci. Allez, on marque une pause et puis on se retrouve pour la suite pour savoir qui est le Wamador. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on est de retour. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la fin. Et bien sûr, c'est le dénouement. Je vais demander donc à notre parrain, à monsieur le président du comité d'organisation, donc, de nous rejoindre ici. Et notre parrain, général Camille Makosso, pour savoir qui c'est qui repartira avec le Wamador, première édition. Suspense. Alors, au sorti donc de cette cérémonie-là, est-ce que vous êtes satisfait, monsieur le président du comité d'organisation? Oui, énormément. Je ne m'attendais pas à l'engouement des Ivoiriens, oui. Et aussi la disponibilité de nos lauréats, nos nominés, oui, qui ont fait fort d'être là. On n'a pas eu le justice comme on l'a vu pour certaines personnes à attendre les accueillir. Mais bon, nous, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux, puisque nous gardons encore notre parrain. Et on espère... que le Wama vivra toujours. Merci. Justement, très cher parrain, votre message avant bien sûr de découvrir qui c'est dans cette enveloppe-là qui repart avec le Wamador. Écoutez, vous êtes en train, nous sommes, on peut le dire, en train de donner de la joie, oui, à certaines personnes qui se sentent souvent exclues. C'est cela. Mais qui, sur les réseaux sociaux, apportent de la joie, oui, je peux le dire, à l'ensemble des personnes. Mmh. Il y a eu le primut, mais à la fin du primut, on a pu retenir un seul nom, oui, c'est le nom du Wouloulou, du Wouloulou, qui a pu le soin de marquer le primut. Oui. Voilà, le Wouloulou. Le Wouloulou, qui déjà a deux Wama. Alors, je vous donne la primeur d'ouvrir l'enveloppe, mesdames et messieurs, suspense. Qui c'est qui repartira avec le Wama d'or 2024 Wam Award, première édition? L'hôtesse tremble parce que le trophée est lourd. Le PCO est très heureux parce que l'argent est rentré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous souhaitons saluer tous les sponsors, les partenaires. Nous tenons à saluer la meilleure de toutes les télés, Live TV, qui retransmet en direct le WAM, je peux le dire... Wamador. Mais aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est serré. La lutte était vraiment compliquée entre les rampeurs, les souriants, les paquitos. C'était vraiment compliqué. Mais une femme ou un homme
Il a marqué l'année. Il s'est imposé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le Wamdon, en ce jour 2024, grand vainqueur, bébé. Alors, bébé, sans demain, vous avez remporté, vous n'avez pas remporté de primule, mais là, vous avez remporté le Wama. Donc, quel est votre mot? Bon, mon mot de fin. Les Ivoiriens m'ont dit de vous dire, de toute façon, vous avez remporté trois là. Si vous partez au Burkina, ils ne vous parlent plus, il ne faut plus vous allez revenir ici. Donc, est-ce qu'avec les trois trophées, vous acceptez de rester un peu en Côte d'Ivoire, qui est votre pays? Non, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Il faut laisser affaire de partir quelque part. Je suis un Ivoirien, ouais. Mais comme je vais pour un contrat. Ah, il va pour un contrat? Je vais pour un contrat. Mais tu reviens. Bon, je sais qu'il va revenir plus tard. Plus tard. Voilà. Mais tu es fier de tes trophées. Merci. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le pays. Un proverbe. Un proverbe. Un proverbe. Non, attends d'abord. Un proverbe. J'ai dit tout à l'heure que lorsque le caillou se transforme en crocodile, mais ça fait peur. Ça va transformer le monde. Merci. Asseyez-vous. Avant de passer, asseyez-vous d'abord. Mesdames et messieurs, merci infiniment à notre parrain. Merci à vous, monsieur le président du comité d'organisation. Vous allez vous asseoir, bien sûr, poursuivre. Et c'est sur ça qu'on va se dire, on va poursuivre la prestation inédite. Et c'est une nouvelle chanson de notre très cher nouveau primus de New Style pour cette année. Là, j'ai nommé manager confirmé, exclusivité WAP. 5 à 3, 2, 1. Go, c'est parti. Papa Raymond Petit à souffrir. Gros Arthur, pas de beat. Let's go. À 6:47. Tout le monde. Dans le matos. Tout le monde. Aïcha Malo. Kati. Aïcha Malo. Kati. Aïcha Malo. Kati. Aïcha Malo. Kati. Félix Chaparé. Kati. Malo de Kadi. Aïcha Soumara de Kadi. Kati. Malo de Kadi. Aïcha Soumara. Mesdames et messieurs, du coup, pour manager confirmé.
merci infiniment. Ainsi pour fin donc, prennent fin les WAM, à WAM, sortez couvert en bas, je vous garde. Merci à toute la régie, à toute la réalisation, Ibé Lelon, Kadi, et puis bien sûr donc Dani Docui. Merci à vous, à toutes et à tous. Sortez couvert en bas. Bye, au revoir. Merci.